Bonjour Marie, c'est Marie Guerrier que nous retrouverons avec joie et plaisir à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais pour l'heure, c'est non sans un immense plaisir que nous retrouvons notre invité, Daniel Pénac. Daniel Pénac pour son nouveau livre, je vais vous en parler dans un instant. Mes chers Daniel, je vous présente d'abord mes petits camarades, si vous le voulez bien. Il faut absolument faire lire votre livre à Stéphane Blakowski. Lui qui se pique de reconnaître les héros et les salauds, il trouvera dans le Camalocène des sources inépuisables d'inspiration. On le retrouvera dans un instant, n'est-ce pas ? Bonjour à tous, oui. J'espère que je serai encore là dans 20 minutes. Nous sommes sur RTL, première radio de France. Les auditeurs ont droit au meilleur. Exactement. Donc je vous ai choisi salaud de première. Ah. On peut même dire une salope de première. Oh non, ça on peut pas dire. Ça, ah, on peut pas dire. Non, c'est drôle parce une que salaud, ça va. Une salaude, alors dans ce cas. Une salaude. Mais en même temps, quand je vous aurai raconté l'histoire tout à l'heure, on verra si vous dites pas que c'est une salope. Ah, c'est peut-être vraiment une salope. C'est pas une héroïne, alors. C'est un peu notre Benjamin Malocène, notre bouc émissaire à nous. Il porte d'ailleurs la barbe, mais il est absent. Voilà, il est congelé, il est devant la radio, c'est en fait. Du mal, il est dans son scooter. Il n'a pas pris son scooter. Il n'y a pas d'embouteillage ce matin. Non. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit qu'il était dans l'embouteillage. Ah, mais vous êtes naïf, Patrice. Non, parce qu'il n'a pas pris son scooter. Ah, voilà, c'est ça. Bah oui, parce qu'il fait froid. Bah, nous montrer la marque du maillot, si vous voulez, par -20, c'est pas raisonnable. On le retrouvera tout à l'heure. Il a mal. Il a très mal à la télévision. C'est Éric Dussard. Bonjour à tous. Mais non, c'est pas moi qui ai mal, Stéphane. C'est Chouchou. C'est Chouchou. Là, ce coup de froid, bam, ça lui est tombé dessus comme ça. Et ça ne va pas du tout. Alors, vous entendrez ça tout à l'heure. C'est un voyant sur la chaîne IDF1 qui a mal pour les gens qui l'appellent. Lorsque les gens vont avoir mal quelque part, il a mal pour eux. Vous voyez, c'est une sorte de baromètre des douleurs, le garçon. C'est un peu mal au sein. Ouais, bah, c'est mal partout, lui plutôt. C'est plutôt mal partout. On entendra ça tout à l'heure. Et puis, un autre qui a eu mal, c'est ce journaliste du petit journal de Canal+ qui s'est retrouvé face à un Patrick Balkany, très énervé pour changer. C'était hier soir. Très bien. Qu'est-ce qu'on chantait au moment où sont parus les divers volumes de la saga Malocène ? Oui. Ah, intéressant. Eh oui. Eh bien, ça est le thème du quiz musical de Patrice Carmouze. Et puis alors, vous, Daniel, vous allez jouer avec moi. Et puis les autres vont jouer pour ensemble. C'est bien fait. Et pour gagner un très beau séjour offert par weekendesk.fr, spécialiste sur Internet des courts séjours, qui offre un séjour pour deux personnes dans le magnifique hôtel Golden Tulip d'Aix-les-Bains. Voilà, il y a des spas, enfin il y a un spa qui s'appelle La Parenthèse, une sorte de parenthèse enchantée avec des massages, il y a tunnel, des hammams, il y a un tunnel, il y a des massages pour deux en même temps. Ouais. Dites donc, et ça reste convenable. Non, c'est très convenable, vous savez, vous mettez un peu noir. Dans le jacuzzi, vous allez ressortir en bas l'éponge. Vous voulez, de toute façon, c'est pas vous c'est qui gagnez. Voilà. Ah bon ? Et si puis, elle veut offrir un week-end érotique aux auditeurs, pourquoi pas ? C'est pas érotique, c'est pire. Du bien-être. C'est la manière dont vous en parlez, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous érotisez les choses. Une belle surprise. À 11h40, c'est la chanteuse Gilles Kaplan qui viendra nous demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle viendra nous le demander en chantant en direct. Voilà. Et ben, je vous présente notre invité. Les petits génies sont souvent d'anciens cancres et cet écrivain, dont le talent a mille facettes, a décomplexé tous ceux qui avaient comme lui un chagrin d'école. Mais ça lui a valu quand même le prestigieux prix Renaudot. Des romans, des BD, des albums pour la jeunesse, des pièces de théâtre, des scénarios, une immersion théâtrale dans les hôpitaux de Paris ou à l'intérieur du corps humain dont il a tenu le journal, une vie sur scène à dire merci, lui qui aime dire ses textes à haute voix, comme le faisait Flaubert dans son gueuloir. Mais le public raffole aussi de ses polars, dont le style vif et la langue riche lui ont valu un incroyable succès, puisqu'il s'est vendu près de 5,5 millions d'exemplaires des 6 épisodes confondus. Pris par d'autres travaux, il s'était détourné depuis 1999 du personnage emblématique de la saga des Malocènes, mais la pression du public sans doute, avec lequel il entretient une relation familière étroite, semble avoir été la plus forte. Et il revient donc à ses premières amours en ressuscitant la saga Malocène avec un nouveau roman, Le Camalocène, Ils m'ont menti, chez Gallimard. Un polar plein de rebondissements au cœur d'une intrigue loufoque qui lui permet d'aborder ses thèmes de prédilection et de s'interroger sur la vérité vraie, sur la littérature, sur les parachutes dorés aussi. Il réussit encore une fois à jouer au petit marchand de prose sur une trame grand public, accessible à tous. Il tisse sa toile pleine de culture et d'intelligence. Bref, c'est tout lui, Daniel Pénac.
Je vous ai fait rire en disant que c'était la pression du public. La pression du public. Bah oui, on a bien marre que les gens disent alors, c'est quoi c'est magnifique. Pas du tout. Ça vous saoulait pas qu'à chaque fois que vous publiez un livre, les gens vous disaient Malossane, il arrive quand? C'est pénible. Ah, si, on devait vous le demander, non? Oui, quelquefois dans les signatures. Oui, oui. Et donc, mais surtout, un jour, il y a une très vieille dame qui me dit « Alors, on n'entendra plus parler de Malossane ?» Je dis « Mais comment l'avez-vous rencontré ?» Elle dit « C'est ma petite fille qui me l'a fait lire. » Et la petite fille était là. « Et moi, c'est ma mère. Et c'est le copain de ma mère qui lui a appris. » »« Mais allez, c'est pas mon père, hein, c'est le copain. » Et toi, je dis « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Mais moi, je viens en choisir un pour mon petit ami, etc. » Autrement dit, j'aime bien l'idée que les familles. Le sentiment, l'affect qui fait circuler les Malossane. Ouais. Eh bien, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, je vous propose une interview il y a 30 ans. Bah oui, 80. Une interview d'il y a 30 ans. Ouais. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Daniel Pénac pour le cas Malossane. Premier volume, ils m'ont menti. Je dis ça parce que, à mon avis, s'il y a un, ils m'ont menti, ça veut dire qu'il y en aura un deux. Oui. Mais d'abord, l'interview il y a 30 ans. Oh, je devrais dire 32 ans. 32 ans, oui. Ouais, oui, le premier volume. Paru en 85 au Bonheur des Ogres, donc 32 ans. Il y a 30 ans, est-ce que vous considériez quelqu'un qui avait 30 ans de plus que vous comme un vieux? Ah, intéressant. Oui, probablement. Oui. Mais vous c'est y pas êtes comme aujourd'hui, alors. Oui. Et c'est passé, j'aime pas vous dire que c'est passé comme ça. Vous rigolez, mais vous verrez. Écoutez, 30 ans, c'est tout à l'heure. Le plus dur, c'est d'y arriver. Et en bonne santé. Et c'est passé tac, tac. Hein, Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez quelqu'un qui a 30 ans de moins comme un jeune? Est un jeune con. Oui, parce que derrière jeune ou vieux, il y a toujours le mot con. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est des jeunes cons ou vieux cons. Ouais. Non, j'ai pas beaucoup j'aime bien la jeunesse. Mmh. Et d'abord, ça me dope. Mmh. Ouais. Oui, ça dope, absolument. Je crois qu'il adopte. Non, ça dope. Il y a 30 ans, est-ce que vous aviez plus de talent qu'aujourd'hui? J'avais plus d'énergie, sans doute. Mmh. Et puis, j'étais complètement innocent. Hein. J'y allais, quoi. Vous savez? Oui, maintenant, vous savez faire. Oui, c'est ça. Oui, alors... L'expérience... Vous savez, c'est comme en politique. On se dit, est-ce qu'il vaut mieux l'expérience ou l'énergie de la jeunesse? Non, ce qui est difficile quand on écrit, c'est de poser ses valises, quoi. Mm-hmm. De poser toutes les valises référentielles et d'y aller. Et d'y aller. C'est ce que vous avez fait pour Malossane. Oui. Là, j'ai eu envie... Oui. Et je me rends compte que j'ai encore la faculté d'y aller, quoi, oui. Mm-hmm. Ouais. Quel est le progrès technique ou technologique qui est survenu en 30 ans et auquel vous ne vous attendiez certainement pas? Oh, bah, l'ordinateur. Oui. Quand j'écrivais, il y a 30 ans, la péréquation, c'était 7 pages pour une définitive. Je le voyais aux rames de papier. Mmh. Donc j'achetais, et je m'apercevais que j'utilisais 7 feuilles pour une définitive. Aujourd'hui, tout ça se perd dans le no man's land de l'ordinateur, les profondeurs de l'ordinateur. Mais le ratio doit être le même. Cela dit, c'est pas du tout un progrès que je regrette. J'adore l'homme. Je ne me sers de mon ordinateur que comme d'une machine à écrire, mais j'adore ça, en fait. Ah, vous avez abandonné la machine à écrire, en tout cas. Il s'est même passé une histoire vraie. Alors, essayez de me croire une fois. Une histoire. Une fois. La commande de mon premier ordinateur, c'était en 90, je ne sais quoi. Je tapais sur une IBM à boules, vous savez, ces machines qui faisaient un boucan électrique. Elle faisait un boucan d'automitrailleuse. Ça revenait automatiquement, c'était génial. Et j'avais commandé, à l'époque, il fallait attendre 3 semaines, j'avais commandé un ordinateur. Le type qui me livre, je vous jure que c'est vrai, le type qui me livre l'ordinateur sonne chez moi. Je vous fais la sonnerie, dring, et ma machine sur laquelle je travaillais explose. Bien. Elle fait pouf, avec une fumée noire. C'était l'ordinateur qui venait d'arriver. Elle est morte, elle en est morte. C'est drôle, de chagrin. Ça, je comprends. Le progrès là-dessus. Enfin, moi, j'ai du mal à vous croire, en tout cas. La fumée noire, ça m'a. C'est un peu romancé, cette histoire. Il a aussi sec pris une baffe. Mais est-ce que vous pensez, il y a 30 ans, qu'il y aurait une suite 30 ans plus tard, non. En Malossane? Non, j'étais persuadé d'avoir vraiment arrêté, quoi, d'avoir abandonné les Malossane. Alors, on va essayer de savoir dans un instant pourquoi vous avez repris la saga des Malossane. Ça sera dans un instant dans La Bonne Heure sur RTL. À La Bonne Heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec Daniel Pénac. Revoici donc les Malossane. Benjamin, de son prénom, le bouc émissaire,
qui donne son nom à cette saga, mais aussi C'est un ange, Le Petit, Verdun, tous les personnages que vous avez créés depuis Au Bonheur des Ogres. C'était en 1985. Ils ont tous naturellement pris un peu d'âge, de bouteille, du ventre, mais on les retrouve avec un immense plaisir. Mais d'abord, pourquoi ? Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour écrire la suite ? Alors que franchement, vous vendez 6 millions d'exemplaires avec vos personnages. Et est-ce que c'est le succès qui vous a paralysé ? Non, j'ai voulu faire autre chose. Eh bien, c'est un faire... tort. Mais nous vous condamnons et c'est sans appel. Je fais ce que je veux. Voilà. Oui. Non, bien sûr. Vous avez fait un formidable journal du corps. Vous avez fait, corps, vous avez fait des livres merveilleux. Mais c'est vrai que ça nous manquait. Mais moi aussi, ça m'a manqué. En fait, ce qui me manquait, c'était l'écriture. Oui, cette façon d'écrire. Voilà, l'écriture malocénienne que j'avais mis ça au point pour écrire les Malocènes. Et là, donc, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu une brusque envie de malocéniser. Et alors, j'ai écrit le premier chapitre presque instinctivement, l'enlèvement de Georges Lapieta, là. Oui. Qui, je le rappelle, est un grand patron, qui est marié au sosie de Claudia Cardinal, et il est enlevé au moment où il s'apprête à embaucher son parachute doré de 22 807 204. J'ai toujours eu des problèmes, mais c'est trop gros, quoi. C'est trop gros pour moi. 22 506. Et ça correspond à 120 ans d'apéro. Dans le Vercors, pour tous les habitants du Vercors qui sont mes copains. Ça m'a fait rire. Ça, c'est bien vous. L'écriture malocène, c'est quoi ? C'est les métaphores qui sont... Oui, c'est ça. C'est des métaphores, des à peu près. La métaphore, la métaphore permet de faire travailler le lecteur. Le lecteur crée la représentation et ça épargne une longue description psychologique, une longue analyse psychologique ou une longue description. Un exemple de métaphore dans un bouquin de Chandler. Marlowe, le héros de Chandler, entre dans le salon d'une star avec laquelle il a rendez-vous. Évidemment, comme c'est une star, elle est en retard, elle n'est pas là. Le maître d'hôtel l'introduit dans un salon immense et Chandler écrit « La moquette était si épaisse qu'un chihuahua distrait aurait pu s'y perdre jusqu'à la dépression nerveuse. » Et là, vous avez tout le portrait de la fille, de la vie du milieu dans lequel on se trouve. Il y a absolument tout, et ce n'est qu'une toute petite métaphore. C'est vrai. Mais c'est... Et alors, bon, il y a une affaire judiciaire, il y a une sorte de Benjamin Malocène qui travaille dans une maison d'édition, qui est un peu l'homme à tout faire, des éditions Talion. Avec alors là, c'est intéressant parce que on retrouve vos obsessions évidemment sur qu'est-ce que la littérature, à quoi ça sert, c'est quoi la vérité, la vérité vraie. La vérité vraie. Parce que c'est une maison d'édition qui est spécialiste dans la VV. C'est la Malocène travaille aux éditions du Talion, mais il travaillait déjà dans La Petite Marchande de prose aux éditions du Talion. Et les éditions du Talion la devise est œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'était une maison d'édition fondée par Talleyrand, c'est vous dire, c'est pas détendre. Après 89, après la chute du mur de Berlin, la patronne, la reine Zabot, s'aperçoit que toutes ces collections d'essais d'anthropologie, de sociologie disparaissent. On ne s'intéresse plus du tout à la collectivité, à l'analyse de la collectivité. Oui, c'est C'est l'émergence de l'individu. Et donc de la vérité vraie, de l'autofiction. L'autofiction, en gros. Et elle rachète, Zabot rachète tous les auteurs d'autofiction pour les rassembler chez elle, ce qui est d'un point de vue... pécuniaire, une excellente idée, mais du point de vue des emmerdements, une très mauvaise idée. Car ces gens qui disent la vérité, évidemment, mouillent quantité d'autres qui se vengent. Et ça fait des ravages, la vérité. En famille, il n'y a de sacré que le mensonge, qui maintient les apparences. Dès qu'on se met à dire la vérité, c'est le début des emmerdements. Et donc l'auteur est obligé de se réfugier. Et l'auteur se planque. Et Malocène est chargé de la protection des auteurs de cette maison. En tout cas, c'est absolument génial. Ça se lit. C'est délectable. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et toujours avec Daniel Pénac, le cas Malocène chez Gallimard. Eh bien, nous retrouvons maintenant les héros et les salauds de Stéphane Blacot. Les héros et les salauds de Blacot.
Vous savez ce que c'est, Stéphane? Tout le monde rêve de devenir un héros. Il faut dire que ce qui est cool lorsqu'on devient un héros, c'est qu'enfin, tout le monde vous aime. Quand vous devenez un héros, les gens se rassemblent en cercle autour de vous pour vous applaudir. Ils sont parfois émus tellement par votre présence que leurs yeux sont inondés de larmes. Il y en a même qui tendent la main vers vous dans l'espoir d'un miracle, comme si le simple fait de vous toucher pouvait guérir leurs problèmes de règles douloureuses ou leurs problèmes d'hémorroïdes. Enfin bon, Stéphane, vous connaissez ça par cœur, évidemment. Je ne parle pas des problèmes d'hémorroïdes, mais je parle du statut de héros, évidemment. Ah non, je croyais que vous parliez du toucher des écrouelles. Parce que la gloire, Stéphane, c'est votre quotidien. Les fans qui passent la nuit sur le paillasson, les groupies... Ah bah non, qui il fait froid, hein, surtout. Vous n'avez pas de fans sur le paillasson le matin? Non, non, il est fait violette rapidement. Et les groupies qui vous submergent de lettres torrides avec... Mais non, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas... Alors, moi, je l'ai vu de mes yeux, vu des mères qui viennent ici dans le studio prêtes à tout pour que vous épousiez leur fille. Ça existe. Mais le problème, c'est que vous y êtes tellement habitués que vous n'y faites plus attention. Mais pour le commun des mortels, les jours de gloire sont rares et c'est pour ça qu'ils sont précieux. Dans la vie, ça n'arrive pas souvent d'être le héros du jour. Si on résume, il y a d'abord le jour de votre naissance. Alors, c'est vrai, ce jour-là, les gens se déplacent pour venir vous voir. On vous offre des cadeaux, ça se bouscule autour de vous. On veut vous toucher, on veut vous prendre en photo. Bref, en venant au monde, oui, c'est vrai, vous devenez le héros du jour. Et puis après, le jour de votre naissance, bah, il y a le jour de votre enterrement, où ce jour-là, bah, vous êtes à nouveau le héros du jour. On vous offre des fleurs, on chante des chansons à votre honneur, on vous trouve toutes les qualités. Bref, si vous n'étiez pas mort, ce serait le plus beau jour de votre vie. Le problème, c'est qu'entre le jour héroïque de la naissance et le jour héroïque de la mort, bah, il ne se passe pas vraiment grand-chose. On ne s'intéresse plus à vous, sauf peut-être pour vous faire un reproche, vous demander un service, ça ne va pas plus loin. Heureusement, on a inventé le mariage. Parce que le jour de votre mariage, vous devenez enfin le héros du jour. Tout le monde vous entoure, on vous prend en photo, on vous tombe dans les bras. Bref, c'est censé être le plus beau jour de votre vie. Et malheureusement pour notre héroïne du jour, qui s'appelle Jennifer Butler, ça s'est passé un peu différemment dans son cas. Alors bien sûr, elle se souviendra toute sa vie de son mariage, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie lui a légèrement échappé. Tout ça parce que sa demoiselle d'honneur lui a volé la vedette. Alors au départ, ça se passait bien. Et puis l'alcool et les choses ont un petit peu dérapé. C'est-à-dire que notre demoiselle d'honneur, qui était aussi la meilleure amie de la mariée, a voulu se mettre dans les mœurs du jour et elle s'est descendue une petite bouteille de whisky, histoire d'être de bonne humeur. Alors, résultat, forcément, histoire de déconner, elle a piqué les clés de la voiture des mariés pour partir faire un tour. Malheureusement, elle était tellement bourrée qu'elle a eu un accident sur le parking. Les gens sont précipités pour essayer de l'aider, mais elle était un peu contrariée. Du coup, avec sa bouteille vide, elle a réussi à assommer deux personnes. Ce qui fait que, forcément, il a fallu appeler les flics. Donc là, elle était complètement désolée, elle s'en voulait énormément. Ce qui fait qu'une fois arrivée au commissariat, elle s'est frappée la tête contre les murs jusqu'au moment où il a fallu l'emmener aux urgences. Donc arrivée aux urgences, elle s'est mise à poil devant tout le monde, elle s'est mise à courir dans les couloirs. Et donc, quand les deux infirmiers ont fini par la rattraper, elle a réussi à en blesser un des deux. Alors évidemment. Pour que l'histoire se finisse bien, il aurait fallu que la mariée et la demoiselle d'honneur se réconcilient à la fin. Après tout, c'était sa meilleure amie. Sauf qu'on n'en est pas encore là. Alors peut-être que dans quelques années, elles se reparleront. En attendant, la mariée a décidé de ne plus jamais adresser la parole à sa meilleure amie. Et quand je vous disais que je vous avais prévu une salope de première pour aujourd'hui, je crois que je n'ai pas menti et je n'ai pas trahi ma promesse. C'est pas de sa faute. Moi, j'ai eu peur qu'elle parte avec le mari. Parce que c'est ça le truc qui arrive parfois. La demoiselle d'honneur part avec le mari. Elle est partie juste avec la voiture du mari, mais elle n'a pas été très loin, vous savez, quand on est ivre souvent. Absolument, comme quoi il ne faut pas boire. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Jennifer Butler, c'était l'arrière-petite-fille de Rhett Butler. Oui, certainement, De génération en génération, le prestige se perd. Mais demain est un autre jour. On va retrouver maintenant Daniel Pénac. Et puis, c'est vrai qu'on va vérifier nos informations sur lui. L'interview, c'est vrai que... Alors, c'est vrai que c'est plein d'informations qu'on aimerait vérifier avec vous, Daniel Pénac. Vous avez une relation quasi passionnelle avec vos lecteurs qui, paraît-il, n'hésitent pas à vous enguirlander. Ainsi, je crois qu'il y a une... Après l'apparition de La Petite Marchande de prose, une lectrice vous a dit qu'elle avait arrêté de lire le livre parce que vous faisiez mourir le héros à la page 100. Et après, Elle vous a réécrit pour vous dire que finalement elle a repris le livre parce que le héros réapparaissait. Oui, oui. C'est vrai ? La lettre disait quelque chose dans le genre « Monsieur,
J'ai le regret de vous faire savoir qu'à compter de la page 165 de votre roman La Petite Marchande de Prose, vous ne me compterez plus jamais parmi vos lectrices. Alors je me reporte à la page en question. Et effectivement, c'est la page où Malocène se prend une balle entre les deux yeux. Trois semaines après, deuxième lettre. Cher monsieur... Tenez pour nul et non avenu la lettre précédente. Mon ami untel m'ayant dit que Malocène s'en sortait, je recommencerai à lire vos romans. Ah, c'est merveilleux, c'est incroyable. La réaction. Patrice, Vous avez eu le Renaudot pour Chagrin d'école. Alors, mais c'était une surprise puisque vous n'étiez pas sur la liste définitive des Renaudot. Et alors, il paraît que quand vous êtes arrivé à Drouot, vous avez croisé quelques jurés qui vous faisaient la gueule. C'est pas ça. C'est vous entrez dans le restaurant de Rouen et les gens, c'est comme ici, ils se font face. Mmh. Mais la porte était derrière. Donc tous ceux qui avaient voté pour moi me tournaient le dos et tous ceux qui avaient voté contre moi. Et alors ils faisaient une gueule d'enterrement. Et comme en plus de ça, je ne savais pas, j'étais pas sur la liste. Oui. J'ai été prévenu en retard. Il a fallu qu'il reste une heure de plus face à face. Oui, donc on aurait dit une veillée funèbre. Et alors je me suis dit, attends, est-ce qu'il faut que je les remercie ou que je m'excuse? C'était compliqué, très embarrassant. D'autres questions? Oui, moi, vous avez été prof de français, je lisais où vous aviez parfois eu des problèmes de discipline. Un jour, un élève qui casse tout dans votre classe. Alors, comment on fait pour calmer un élève qui casse tout? Ça m'est arrivé une fois. En effet, l'histoire du gosse, d'ailleurs, était absolument tragique. C'était un gosse, c'était un Iranien émigré. Dont la mère venait de mourir, enfin bref. Et il n'avait pas fait, je crois, son devoir d'anglais. Et la professeure lui a fait une petite réflexion, un peu de travers. Ses copains se sont maladroitement moqués de lui. Et là, le gosse pète les plombs, il avait 14 ans, et commence à tout casser. Tout casser, et tout le monde fout le camp, bien sûr. La classe se vide. Moi, j'étais dans la salle des professeurs à côté. On me dit, viens, il y a un tel, je ne me rappelle plus son nom, qui est en train de tout casser. Effectivement, je rentre là-dedans. Et il descendait les vitres, il avait descendu les plafonniers. Alors, j'ai pris une chaise et je l'ai jetée contre le tableau. J'ai fait comme lui, je l'ai comme imité. Lui, vous l'avez imité. Évidemment, il s'est arrêté aussi sec. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous engueulez. Vous êtes prof, vous n'avez pas le droit. Je dis, mais je fais comme toi, je communique. Ça va faire Pascal Le Grand Frère. Et là, il s'est effondré en larmes. Oh, c'était bon, un gosse qui avait une journée et une vie assez pénible. C'est vrai que vous revendiquez le droit à s'endormir lorsque l'on lit un livre, même s'il nous plaît. Ah, surtout, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même le meilleur endormissement qui soit. Mm. Vous êtes, par exemple, en ce moment, dans un roman d'Elena Ferrante, qui commence à avoir du succès justifié. Et vous essayez, vous tenez, mais il est une heure. Ensuite, il faut que vous alliez bosser. RTL, Stéphane vous attend. Et vous savez comment c'est il est quand vous arrivez en retard. Et donc, vous effondrez sur ce livre merveilleux. Ça, sont les... C'est pas une insulte faite au livre. Hein. Il n'y a pas qu'un livre qui ne nous plaise pas, qui nous aime. Il paraît que vous êtes étudié, ça c'est bien, dans les écoles, ce qui est une sorte de consécration pour un écrivain, mais ça vous laisse perplexe parce que vous avez toujours peur que les élèves s'emmerdent. Non, c'est pas ça. J'avais mis sur... comme un roman, j'avais mis... on est prié, je vous supplie de ne pas utiliser ces pages comme moyen de torture pédagogique. Et ça a raté. Oui, c'est des ratés. Et les profs font quand même étudier. C'est une belle consécration quand même d'être étudié à l'école. Mais c'était pas une consécration que je cherchais, mais... Non, mais bon, quand ça vous tombe dessus, vous êtes content. En gros, si ce que vous écrivez peut servir à quelque chose, c'est pas plus mal. Oui. Et votre ego, on est contenté, non? Mon tout à l'ego. Oui. C'est drôle. Eh bien, on va retrouver Daniel Pénac dans un instant. Enfin, il ne nous quitte pas, il est avec nous sur RTL. Mais justement, on a un cadeau à vous faire, parce que c'est vraiment un cadeau. Gilles Kaplan est avec nous, et on a très envie d'écouter... le single de son nouvel album Imparfaite, Est-ce que tu m'aimes? Et bien la réponse, c'est maintenant sur RTL. Est-ce que tu m'aimes? Tu
Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre-nous, c'est du sable. Quand je n'abrite qu'une seule flamme, quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Oh mon Dieu, comme tout ça me pèse. Toi qui voulais une vie de confort et la seule jouissance du corps, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tiens près du bord, moi qui marche tout en déséquilibre et recherche ta cage pour être libre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Raisonnable. Le temps recouvre-nous, c'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis, il faut être plus aimable. Est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bravo. Gilles Kaplan sur RTL, est-ce que tu m'aimes? Extrait de son nouvel album Imparfaite qui sortira le 10 mars et elle sera au Café de la Danse le 14 mars. On va lui laisser le temps de venir nous retrouver, de nous dire aussi qui sont ces musiciens qui l'accompagnent. Fasciné par la batterie avec, avec des une enveloppe. Pas, une enveloppe. Je crois que monsieur faisait de la colle ou préparait une peinture. Non, mais on va en parler dans un instant. Et je rappelle que pour participer au quiz musical, je veux dire pour pouvoir partir avec weekendesk.fr à Aix-les-Bains au Golden Tulip, il faut appeler ou au 3210 ou envoyer un SMS avec le code bonheur au 74 900. On jouera dans la deuxième heure d'À la bonne heure. À tout à l'heure, merci. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et toujours avec Daniel Pénac pour le Kamalocène chez Gallimard. On accueille Gilles Kaplan pour son nouvel album qui sort. Merci d'être avec nous. Déjà, présentez-nous vos musiciens avec qui vous avez interprété. Est-ce que tu m'aimes? Alors, il y avait Julien Catio, oui, qui fait toutes les petites guitares solo, et oui, Jean-Christophe Urbain, qui fait partie des Innocents, oui, qui faisait la guitare rythmique. Qui a fait, les arrangements, et qui a fait tous les arrangements, ouais, de l'album. Ouais. C'est super, bah, ouais, alors, on va en parler. Justement, vous avez toujours eu des arrangements incroyables. Comment vous trouvez, comment vous entourez comme ça de ces collaborations? Ah, parce que j'ai l'oreille, j'ai du nez. L'oreille et du nez. Et j'ai du goût aussi. Oui, mais oui, visiblement. Ouais, non, mais Jean-Christophe, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Mmh. On a beaucoup travaillé ensemble. Et là, quand j'ai commencé à travailler avec Roman, qui est un guitariste de jazz, swing et manouche, qui a composé, qui a fait les musiques, voilà, qui a composé. Tout de suite, Jean-Christophe a entendu, a dit mais c'est vachement bien, j'ai envie d'arranger, et on s'est mis au travail, et on a eu un résultat qui était qui nous a beaucoup beaucoup plu tout de suite, quoi, qui était très très élégant et à la fois très précis dans le son, dans les arrangements, dans la façon de jouer, parce que c'est des mélodies quand même qui sont un peu
qui sont pas très actuelles, si vous voulez, qui avec une espèce de savoir-faire. Oui, mais en même temps, on les retient, elles nous accrochent immédiatement. Bien c'est sûr, ce c'est, bien dans c'est comme dans une espèce d'inconscient collectif. Hein. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui est imparfaite? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que qu'est-ce qui pour vous est imparfait? C'est notre propre caractère humain, trop humain. Oui. Vous jugez imparfaite? Parfaitement. Parfaitement, parfaite. Allongez-vous, on va vous psychanalyser. Et peut-être mais c'est l'idée qu'il faut, il faut s'aimer même si la vie n'est pas parfaite. Mais c'est si une façon de se pacifier, en fait, de oui. dire, voilà, imparfaite, la vie imparfaite, soi-même imparfait. C'est une façon de se pacifier et de récupérer aussi un petit peu de joie par rapport à ce qu'on est, au temps qui passe et à la vie. Voilà. Et alors, il y a des duos dans cet album. Oui. Et puis, vous n'avez pas choisi les moins bons. Il y a Thomas Dutronc, il y a Benjamin Biolay. Oui. Les deux chansons portent d'ailleurs sur un thème qui plaît beaucoup à Daniel Pénac, c'est le temps qui passe. Ouais, ouais, hein, c'est le titre de la chanson que le vous interprétez. Le temps qui passe, voilà. Ouais. Ça ne sert à rien, le temps qui passe, en gros, en substance. Hein. Oui, ça ne sert à rien, mais il passe quand même. Mais il passe quand même, mais ça ne sert à rien. Regardez, il a mis 30 ans, voilà, il y a 30 ans le début des Malocènes. Enfin, ça sert peut-être à se bonifier, à devenir une meilleure personne, en meilleure connaissance et en se connaissant mieux en se connaissant soi-même. Mieux et en étant plus, comment dire, dans la maîtrise de ses capacités. Mais ce qui est... C'est vrai qu'on se souvient de vous pour tout ce qui nous sépare. Ouais, bien c'est sûr. C'est vrai que ça a été un gros tube, un énorme tube. Voilà. Mais j'imagine que entre un tube et puis un nouvel album, vous avez fait plein de choses. Bah, j'ai fait 8 albums. Oui. Voilà. Et beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Beaucoup de choses. J'ai fait du théâtre aussi. Et vous écrivez des poèmes. Oui, j'ai vu ça. Ah oui, alors oui, enfin des poèmes. Fou là là, tout de suite. Non mais ça me fait toujours peur le mot poème parce que pour moi la poésie c'est un peu sacré. Donc je dirais plutôt des textes en prose. Voilà, c'est plus c'est un peu plus... C'est différent des chansons, en tout cas. C'est différent, oui, c'est différent. Ouais. Parce c'est qu'on un autre exercice. Oui, les chansons, on est très pris dans une espèce de carcan, quand même, de choses très... avec un certain nombre de pieds, on ne peut pas déborder. Il y a quelque chose de mathématique dans le fait d'écrire une chanson, alors qu'un texte en prose, pas du tout. On est absolument libre, on peut dire absolument ce qu'on veut. Et en fait, ça fait longtemps que je cherchais à écrire quelque chose dans cette forme-là, mais je ne savais pas quoi. Et c'est en lisant Bukowski, L'amour est un chien de l'enfer, où c'est vraiment ça. Je me dis, mais putain, mais c'est exactement ça que... C'est cette façon-là qu'il faut, en fait. On est libre, vraiment, il faut essayer le plus possible d'aller vers cette liberté de ton. Puis après, on reprend, puis on travaille. Il y a le travail. Mais voilà. En tout cas, magnifique album. Ça s'appelle Imparfaite. Est-ce que tu m'aimes? C'est le premier titre qu'on entend. Vous êtes donc au Café de la Danse le 14 mars. Oui, le 14 mars. Et il y aura Roman et j'ai que des super musiciens avec moi. Tout a l'air facile avec eux, c'est génial. Bon, en tout cas, il y a Est-ce que tu m'aimes qui est là. Et puis l'album sort le 10 mars prochain. Le 10 mars, oui. Très bien. Bon, on vous souhaite bon vent. On était ravis de vous accueillir sur l'antenne d'RTL. Voilà, c'était un joli cadeau que vous nous avez fait ce matin sur RTL avec Gilles Kaplan. Vous avez écrit des chansons, Daniel Pénac? Et non, hélas. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais parce que pour moi, j'ai jamais pu, c'est la quintessence pour moi. Parce que, contrairement à ce que vous dites, c'est quand même proche de la poésie. La poésie, c'est la quintessence absolue. J'ai toujours eu la trouille, toujours été très inhibé, mais j'aurais adoré. Imaginez cette chanson, par exemple, justement, dans 30 ans, qu'on ait encore la ligne mélodique dans la tête, et 4-5 rimes. Ça, c'est. Pas moi, vous laissez voir avec Gilles Kaplan. Vous avez 3 minutes le temps de la pause pour écrire une petite chanson. Votre première. Eh bien, on va retrouver. Merci encore à Gilles Kaplan. On va retrouver Daniel Pénac dans un court instant. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence, il faut toujours un commencement, n'est-ce pas? C'est toujours mieux un début. Hein. C'est toujours mieux un début, une fin, un milieu, et au milieu avec un conseil. Voilà. Et c'est vrai que ce matin, j'ai entendu des conseils partout pour lutter contre le froid. Oui, alors on le dit souvent, le plus basique, quand les températures sont aussi basses qu'en ce moment, il faut manger davantage pour aider son organisme à se défendre contre le froid. Il ne faut pas partir sans avoir un petit déjeuner dans le ventre. Voilà, ça c'est important. Maintenant, ne faites pas non plus comme cet homme dont nous a parlé Money Drop sur TF1. Lui, il a dû avoir quelques petits soucis de digestion, vu ce qu'on a retrouvé dans son estomac. Une vidéo publiée sur le site du Daily Mail montre l'intervention de chirurgiens d'origine hispanique qui ont eu la surprise de découvrir plus de 18 brosses à dents, plus ce qui ressemble à une paire de pinces en métal et un tire-bouchon rabattable
entassée dans l'estomac d'un patient. Bah écoutez, on ne sait pas, peut-être que ce monsieur manquait d'espace de rangement dans son appartement. Voilà, donc il s'est transformé en commode humaine. Mais il s'en rendait pas compte. Je ne sais pas, la brosse à dents doit se rendre compte quand même quand on l'avale. Hein. Mm. Bon, bah au moins, lui, il n'était pas une brosse à dents par an, vous voyez. On l'appelle Ikea. Bon, cela dit, c'est pas pire que l'histoire de ce prêtre, vous vous souvenez, britannique. Ah bah oui. Hein, qui était tombé par hasard sur une pomme de terre. Ah, c'est pas pareil, c'est voilà. Pas rentré par la bouche. Ouais, ça arrive. Sans doute la nouvelle recette des pommes de terre sautées, à moins que ce ne soit l'inverse. Ça pousse dans la terre. Hein. Mais ah bah, il faut faire attention là où on s'assoit. Bah oui, il ne faut pas tomber sur un tubercule comme ça, vous connaissez le dicton. Alors, en tout cas, ça a dû lui faire mal à ce pauvre monsieur. Tenez justement, en parlant de douleur, il est où le chouchou? Le voyant qui a mal aux dents. Et si ce n'était qu'aux dents, c'est donc ce voyant qui est un baromètre de la douleur des gens qui l'appellent sur la chaîne IDF1. Et croyez-moi, 2017 commence bien mal pour lui. Ça ne va pas du tout. Alors je vais vous répondre, mais avant toute chose, qui c'est qui a un problème d'ordre musculaire autour de vous, Solange? Il y a un problème d'ordre musculaire au niveau de l'aine ou de la cuisse. Il y a un problème musculaire, l'aine ou j'ai la mal. Cuisse. Oui, c'est une amie. Vous avez une hernie? Pas moi, c'est mon amie. Ah, bah, c'est autour de vous ou vous? Je le ressens, Solange, direct. Vous répondez que vous avez peut-être une hernie ou quelque chose. C'est exactement ça, c'est au niveau de l'aine. Oui, parce qu'elle a très, très mal. Hein. Ah ben, ça me fait très mal. C'est quand vous avez pris la parole, j'ai mal. Donc, je vous dis, je suis obligé d'évacuer le flash, le ressenti, le mal. Je vais vous en parler. Donc, maintenant, votre question, vous m'avez dit... Est-ce que vous voyez rencontrer quelqu'un? Autre que votre ami? À mon avis, c'est surtout aux oreilles qu'il a un petit problème. Hein. Là, il va falloir consulter l'ORL au plus vite. La cuisse, c'est secondaire. Il n'entend plus rien. Il n'entend plus rien, le pauvre chouchou. C'est terrible. Alors, bon, pour une fois, ce n'était pas les dents, vous me direz. En revanche, j'en connais une autre qui doit avoir sacrément mal aux dents sur IDF1. C'est notre amie Isabelle, qui anime l'autre émission d'IDF1. Alors, elle s'en prend toujours plein les dents avec ceux qui l'appellent, des gens qui sont toujours très gentils avec elle. Bon, moi j'ai une petite remarque à faire. Bon, déjà, on a du mal à vous avoir. Ah. Par contre, il y a une personne que vous avez tous les jours, c'est Marc. Oui. Et tous les jours, il passe. Ah et bah. Moi, quand j'essaie de vous avoir, ça y est, c'est raccroché. Alors, c'est un petit peu étrange parce que, voilà, par exemple, hier, je n'ai quasiment eu aucun appel et pourtant j'attendais les appels. Oui, j'ai vu. Bah, je sais pas ce qui se passe parce que moi, pourtant, j'attends vos appels presque. Et bam, vas-y que je me tire une balle dans le pied en direct. On ne dit pas que personne ne regarde son émission. On ne fait pas ça à l'antenne. Bon, en plus, s'agissant des accusations de madame là, sur ce fameux Marc qui appellerait prétendument tous les jours, c'est complètement faux. Hein. J'ai vérifié, j'ai regardé les dernières émissions et honnêtement, ce monsieur n'appelle que très rarement. Allez, c'est parti pour un premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, allô. Marc, bonjour, ça va? Oui. Allez, on va prendre un premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Marc, comment ça va? Bah, super, bonjour. Hein. Allez, c'est parti pour un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah bah voilà, comment ça va, Marc? Bah écoutez, super, super. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Marc, comment ça va? Bah toujours super. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame Isabelle. Bonjour Marc, comment ça va? Bah écoutez, super, super. Oui, bah en même temps, depuis la veille, on imagine bien que son état de santé n'a pas dû considérablement évoluer. Tous les jours, lui. Hein. Il a le béguin pour non, elle. Bah, elle est tellement angoissée que personne ne l'appelle. Elle a dit, bon Marc, tu m'appelles. Non, mais alors, ce qui est là en plus, c'est que, évidemment, ce Marc remporte le même prix tous les jours. Donc, il pourrait ouvrir une billetterie, puisqu'il a au moins 50 places pour le même concert, vous voyez? Ah oui. C'est très pratique pour lui. Je pense qu'il va pouvoir faire de la revente de place d'Hélène Rollès, par exemple. Voilà, il en a gagné énormément. Ouais, non, mais il pourrait lui dire de changer de prénom pour passer l'antenne. Non, c'est IDF1, vous savez. Non, il ne se donne même pas ce mal-là. Non, avec lui aussi, on gagne à tous les coups. Ah, bah oui, tendez un micro à Patrick Balkany. À chaque fois, il vous fera le même numéro. Oui. Hier soir encore, ça a été le cas lorsqu'il a été interviewé par un jeune journaliste du Petit Journal sur Canal+. Je vais vous dire un truc. Ce qui est terrible, c'est la connerie des journalistes. Vous écrivez, vous dites n'importe quoi. Vous êtes des gens épouvantables et vous vous préparez à votre âge à faire le métier des mecs les plus cons de la Terre. Et vous allez bien les représenter parce que vous êtes vraiment aussi cons que vos aînés. Eh ben, il a l'air un peu tendu. Hein. Je serai à sa place, je prendrai quelques jours de vacances sur l'île de Saint-Martin, par exemple, pour se relaxer. Il a le choix des lieux de repos. Non, mais là-bas, il serait bien. C'est un SDF maintenant. Oui, le pauvre. Plus où il est. Sans difficulté financière. Il ne peut plus aller au soleil maintenant, il ne peut plus aller qu'à l'ombre. C'est terrible. Je crois qu'il n'en a plus rien à faire. Alors, au rayon mauvaise humeur, sinon, dans un tout autre genre, on a aussi Jean-Pierre Bacri. L'acteur qui a dit dans Stupéfiant, l'émission culturelle de France 2, tout son amour pour les émissions de télévision en public. Les émissions de télévision, vous n'avez jamais aimé les émissions en public? Les trucs à public. Non, j'aime pas ça. Le truc avec du public, j'aime pas. Et j'ai de la peine pour eux. Pour ces gens à qui on demande d'applaudir très fort à un moment, puis d'arrêter, puis de recommencer maintenant.
ça me donne une opinion que je n'ai pas envie d'avoir sur l'humanité. Ce côté moutonnier, accepter de faire ce qu'ils font, tout ça pour assister à une émission médiocre, ça me fait toujours quelque chose, ça me fait de la peine. Pour... C'est vrai qu'en même temps, le public télé, ça ressemble un peu à du dressage d'otarie quand même. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent faire exactement au moment où on leur dit d'applaudir. Voilà. Surtout, notre public fait ce qu'il veut. Il y a une scène dans Il y a une scène, oui, dans le Camalocène, il y a exactement ce que décrit Bacri, et où Alceste, l'auteur qui assiste à cette émission publique, pique une rogne, exactement comme celle de Bacri, et qui, pour tout vous dire, me semble parfaitement justifié. Oui, mais en même temps, le public nous sauve, hein, vous savez. Hein. Ça on nous termine avec les trappements. Oui, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un gagnant à 800 000 euros, mais j'ai l'impression que le niveau des candidats des 12 coups de midi baisse un peu ces derniers jours. Dans quel pays asiatique se trouve le site touristique de Kaola? Au Pérou? Thaïlande! Ah oui, le Pérou, très beau pays asiatique, hein, avec la Norvège, je le rappelle. Mais vous savez, depuis que, par exemple, le Paris-Dakar est en Argentine, oui. Et qu'il y a Paris-Pékin se fait aussi. Pékin Express entre Clermont-Ferrand et Dijon. Oui, donc on ne sait plus maintenant la géographie. On est perdu. Merci Eric Dussard. Allez, on va retrouver Daniel Pénac, qui, je le rappelle, fait partie des 5 finalistes pour le Grand Prix RTL Lire 2017. Le lauréat sera connu en mars prochain. Il reste 5 romans en lice, dont le vôtre. On va vous retrouver, le Camalocène, on vous retrouve dans un instant pour la suite d'À la bonne heure. Régis Maillot se prépare. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Daniel Pénac et je vous ai promis le retour de Régis Maillot pour la marque du maillot. C'est maintenant. À la bonne heure, la marque du maillot. Ouais. Jean-Pierre Bacri va hurler. Tant pis, on l'aime bien quand même, Jean-Pierre. Alors je sais que la mode est à la démagogie, que les populistes de tous bords s'empressent de dire tout fort ce que le peuple pense tout haut et réciproquement. Mais en ce petit matin taquin où la rosée est dixit Emmanuel Macron plus givré qu'un chômeur alcoolique du nord de la France, permettez-moi juste de poser cette question aussi légitime que candide. Doit-on vraiment continuer à lutter contre le réchauffement climatique? Manifestement, le gars a rendu les armes. Ou alors, il y a eu un mot du médecin. Foutez-lui la paix un peu à ce réchauffement climatique. Loin de moi l'idée de remettre en cause l'existence des couches d'ozone, ni de rejoindre le camp au nid des climato-sceptiques. J'ai pas envie que ma carrière s'arrête brusquement. Mais il est où ce réchauffement climatique, hein? Comme la croissance, on en parle beaucoup, mais on le voit jamais. Bravo les écolos! Vous avez réussi votre coup! On nous ferme les voies sur berge, on nous gave de quinoa, on nous oblige à utiliser des toilettes sèches, on nous fait déménager en Vélib, résultat, ça caille. On se pèle les arpions, on se croirait un jour de fête des mères chez les Courgeot. Oh non. La fête des mères chez les Courgeot. Non, elle décongèle au contraire. Un froid s'accouplait avec un radiateur. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès du petit Yakova qui a subi les assauts de ma sexualité déviante. Alors, évidemment, depuis 48 heures, tous les médias nous dispensent des conseils pour se réchauffer. Oui. Tous. On en a de tout. Mais comme s'il il fait froid en hiver. C'est nouveau. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, je fais du covoiturage, du copiétonnage. J'ai ma voisine Fatima qui roule en burqa, paf, je me mets en dessous, au moins on a un peu plus chaud. Alors, c'est une couette de jour, une burqa. C'est pas très laïque, mais c'est une couette. Alors il y a bien un truc. Il y a bien un truc pour se réchauffer, très efficace, mais dont personne ne parle, et puisque c'est interdit maintenant, la fessée. Ah, la petite fessée, oui. Et oui, l'amendement anti-fessée de la loi famille a pris effet il y a quelques jours. Et ici, dans l'équipe, tout le monde est sous le choc, surtout Stéphane Bern. Vous n'avez pas le droit. Mais non, arrêtez. La petite fessée du matin. C'est un peu son moment de détente préféré au pervers frisé. Son péché pas mignon, comme on dit tous ici dans les couloirs de RTL. Le matin au bureau, quand Patrice Carmousse se dirige vers la machine à café pour prendre son petit noir, son café, hein, pas un petit tchadien qu'il aurait adopté pour jouer à papa-maman, eh bien, illico le Stéphane, il se lève de son siège avec l'œil droit aussi rond qu'une nectarine sous OGM et il se met à sautiller, exactement. Il se met à sautiller sur place en poussant des petits cris. C'est l'heure de la fessée, c'est l'heure de la fessée. Et c'est en général à ce moment-là que Marie-Caroline, notre programmatrice, se met à fondre en larmes. Tu sais, Marie-Caroline, la fessée, c'est bon pour la circulation. Je fais ça pour votre bien à tous. Et bam, les tambours du Bronx. Cul nu, évidemment.
Sinon, il dit, ah, ça oui. compte pas, c'est comme manger un kiwi avec la peau, c'est pas bon. Elle est à bout, là, Marie-Caroline. Elle m'a confié avoir des escarreaux derrière. C'est quelque chose grand, le luxembourgeois. Et encore, maintenant, il utilise la main. Avant, il avait un ustensile, la fameuse Royal Tapette, qu'il appelait. Un seau royal monté sur une tapette à mouche qu'il avait rapporté d'un de ses voyages privés au château de Windsor. Mais ce n'est pas le seul qui subit les attaques perverses de Stephen Bern. Depuis 5 ans que nous sommes maintenant à RTL, on est déjà à 13 prud'hommes. 8 dépressions et 32 mains courantes, c'est le cas de dire. J'évoque pas les stagiaires, on n'en trouve plus. Impossible de trouver une convention de stage, on est tricard dans toutes les écoles de communication de France. On n'est pas dérangé par les collègues de travail. Hein. Quand on a de la visite dans le bureau, ça rentre en rasant les murs et ça sort à la Michael Jackson Moonwalk. Plus personne veut nous déposer le courrier depuis l'affaire José. Oui. José, c'est le gars des services généraux qui s'occupe des colis chez RTL. Enfin, qui s'en occupait. Une marmule, un jour que le Stéphane avait bu un thé un peu trop infusé, le José s'est pas méfié. Il est rentré, fleur au fusil, et a déposé un colissimo sur le bureau du patron. Il est ressorti 2 heures plus tard en rampant sur le ventre. On l'a plus jamais revu rue Bayard. Sur ce, je vous laisse. C'est l'heure de la nouvelle rubrique de l'émission. Ça s'appelle Pile ou Face. Bonne journée. À la bonne heure, Stéphane Bern. Daniel Pénac, c'est le moment de ou. Vous préférez le Goncourt ou l'Académie? Il est le rododo. Allez, les deux. Non, mais on est obligé de répondre. Ah oui, absolument. Mais on peut rire. On est voilà. Pas... voilà. Les Cévennes ou la Corse? Ah, la Corse, un peu. Je suis un peu d'origine. Bah, oui, je sais. Belleville ou le Quartier Latin? Belleville. Belleville. L'enseignement ou l'écriture? Ah, ils sont chiants. Quand Les chiens ou les chats? Ah, les deux. Les deux, oui. Les cancres ou les premiers de la classe? Et les cancres ont davantage besoin de moi. Oui. La paresse ou le boulot? Non, le boulot, je me sens mieux. Les boucs émissaires ou les bouts en train? Bouts en train. Bouts en train. Les primaires de droite ou les primaires de gauche? Les secondaires. La galette ou la crêpe? Ah non, pas de galette, pitié. Ah. Arrêtez avec la galette. On va bouffer de la frangipane jusqu'au mois de juillet, si ça continue. Non, il y a la crêpe qui arrive. La crêpe arrive, la chandeleur. Alors, j'ai la question Tesla. Pour éviter un accident plus grave, comme causer la mort de 10 enfants, vous êtes obligé soit d'écraser une personne âgée, soit une femme enceinte. Je m'écrase moi-même. Ah bien. Question bras. On vous assure que si on vous coupe un bras, il n'y aura plus de misère sur Terre. Vous acceptez? Je ne croirai jamais ce crétin. Ouais, vous avez raison. Bon, et dernière chose, je crois que vous aviez un mot à dire sur justement à propos de réduire la misère sur Terre. Oui, c'est il faut donner un coup de main à une association qui s'appelle SOS Méditerranée et qui a frété un bateau pour aller sauver les gens qui se noient à la limite territoriale des eaux libyennes. Ils en ont sauvé plus de 10 000 l'année dernière. Personne ne les aide, aucune aide institutionnelle. Il n'y a que nous, nos dons personnels, privés, avec lesquels nous empêchons des gens de se noyer dans notre Méditerranée. Ensuite, ils sont déposés en Italie. L'Italie, dans le domaine d'ailleurs des réfugiés, est infiniment plus honorable que nous au plan gouvernemental, parce qu'évidemment, en France, il y a des tas de particuliers qui se comportent très bien dans ce domaine. Donc, aider SOS Méditerranée. Très bien. On mettra les coordonnées sur le site pour ceux qui ont envie de les soutenir. On va retrouver Daniel Pénac dans un instant. Et Patrice Carmouze, pour son quiz musical, les années 80, vous savez, 85, c'était le début du Kamal, de la saga Malo. De 85 à 99. Ah oui, donc tout le début de la saga Malo. Très long, je pense, là.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons évidemment pour un très beau séjour offert par weekendes.fr, le Golden Tulip Aix-les-Bains, très bel hôtel où il y a un spa, la parenthèse, qui est très agréable. Passage multiple. Voilà. Hein, c'est... Et alors, vous jouez avec Daniel pour nous jouons Béatrice. Pour une jeune femme qui s'appelle Béatrice et vous, vous jouez le reste du monde pour Eric. Très bien. Donc, ce sont des chansons qu'ont chantées pendant que paraissaient les premiers tomes des Malocène. Alors, il y a Au Bonheur des Ogres, c'était 85, il y a La Fée Carabine, 87, La Petite Marchande de Prose en 90 et Au Fruit de la Passion en 99. Alors, il faut reconnaître qui chante. Si vous pouvez me dire l'année en plus, alors là, c'est le bonheur. On a plus de points oui. Tout se négocie, Patrice. Un point de plus. D'accord, alors, okay. On dit l'année. Alors, vous jouez premier contre Blaco, il faut reconnaître qui chante, hein, déjà. À m'asseoir. Renaud. Non. Attends, toi, 85. Non, je ne comprends pas pourquoi. 85, ouais, bravo. Renaud. Patrice précise que l'affrontement se fait entre Daniel et moi et qu'on est d'un seul coup. Non, ils sont ensemble. Ah, c'est toujours deux contre un, vous savez, ouais, ça les règles. J'ai eu l'année. Hein. Quant à moi, comme je suis alzheimerien de naissance, je ne présente pas un grand danger. Allez-y. Donc un point partout. Un point partout. Ah, mais pourquoi vous lui avez donné un point? Parce que Stéphane a trouvé Renaud et Régis l'a dit l'année. Je crois que Régis l'a dit avant. Patrice, ouais, on va peut-être oublier l'idée de l'année parce qu'on a vu ça être un sacré bordel. On va peut-être oublier l'année. 1-0 pour SB. On a tous trouvé. Alors, ça sert à rien d'avoir un arbre. Excusez-moi, ça fait une minute que vous parlez tous en même temps, ça devient dur là. Ça sert à rien d'avoir un arbre. Allez, c'est contre Régis. Ah, David et Jonathan. Oui, quand même. C'est 86. Et là, c'est David ou c'est Jonathan qui chante? Les deux. Je peux même dire que c'est une chanson de Didier Barbelivien. Oui. J'ai le droit à un point ou... Non. C'était le droit au remerciement. C'était l'année de La Petite Marchande de Prose, c'est-à-dire 90. Que des beaux textes, cette année. Tout le monde est jugé parti. Je vois encore que le score ne sort pas gagnant. Eric, c'est face à vous, maintenant. Goldman, oui. Ah, le cerveau mal. Un gelé. Stéphane. Maître Germain. Stéphane. Pourquoi vous demandez l'avis à Germain alors qu'à chaque fois qu'il nous donne un point, vous lui retirez? C'est l'arbitre. Bon, c'est le jeu. Combien là. Ça fait 3-0. 3-0. C'était 87. Hein, c'était pendant la fée Carabine. 3-0 pour malhonnêteté. Contre Blaco maintenant. Zelda. Oui. C'est bon, on a le droit au point ou pas? Oui, merci. Un point pour le reste du monde. Les règles ont de nouveau changé, on répond tous ensemble. C'était en 99, ça, pendant qu'on paraissait au fruit de la passion. Tiens, c'est pour vous, ça, contre Régis. Woolsey, ouais. Stéphane. Un rigalante. Vous n'allez pas nous faire toutes les îles, hein. Je chante. Et ça date de 1985. Oui. Le bonheur des hommes. Donc ça fait... Ça fait 4-1. Attention, là, il faut se reprendre. C'est contre Eric. Garou, Notre-Dame de Garou, oui. Non, Eric. Eric. Dans les yeux, Berne. Ah, c'est ça, il n'arrête pas de boucher depuis le début. Stéphane triche un peu. Il mal. Vous avez connu ça pendant avec les élèves. C'est ceux qui copiaient sur les autres. Un peu. C'est une autre figure de style, ça s'appelle un euphémisme. Je rétablis mon strabisme. C'est très différent. Je sais que c'est le biopic de Dalida. 4-2. Je muscle les yeux. Ouais, Blaco. Fais-moi une place. Voilà, c'est pour notre équipe. Reste du monde. Ensemble. Reste du monde. 4-3. C'est bien. Comment il s'appelle ce chanteur? J'adore le dernier disque. Vous vous remettez doucement votre accident vasculaire, hein. C'est long. Hein. Allez, avancez. On avance. France Gall. Ouais. Stéphane. On est à combien, Maître Germain? 5-3. C'est pas fini. C'est votre meilleur ami aussi. Mais... C'est 87. Ah oui, ça c'est peut-être plus difficile, tiens. Non, c'est La Rousseau. Tu m'oublieras. On ne peut pas oublier La Rousseau. Malheureusement, beaucoup de gens ont oublié La Rousseau. Tu m'oublieras, oui, c'était prémonitoire. Bah 99, mais... ça, ou 99, 90, absolument. Ouais. Regardez. Voilà, ça y est, on est de retour dans le jeu, là, Stéphane, désolé. Attention, contre Blaco. Gilles Kaplan. Pauline Esther. Ah non, mais il connaît toutes les. Égalité, 5 partout. Ah, égalité, 5 partout, voilà. Attention. Ouais. Non, vous arrêtez. Alors, ça va être Marc Lavoine. Elle a les yeux à l'envers. On annule, on passe directement au suivant. C'est ça. Patricia Cass. Oui. Elle serait notre invitée vendredi. Allez, un dernier. 6-5. Arrêtez, Stéphane. 6-5 pour Stéphane. 6-5. Alors, deux derniers. Alors, allons-y. Johnny.
Ouais, bravo. Là, vous avez regardé. Là, vous avez regardé la feuille, c'est sûr. Non. Non, mais si. J'ai écouté la voix. Je suis sûr que vous avez regardé la feuille. Non, je regarde. Vous mentez super mal. Il nous faut le refrain de ça. C'est un drame. Je sais pas, vous aurez jamais de problème avec le fisc, hein, parce que. Vous me faites un. Ils verront que vous mentez. Hein. Vous me faites un procès d'intention. J'en avais un dernier pour. Enfin, ça fait 7 semaines. Là, il y a des gens déjà. Un dernier pour la Rick, évidemment, mais bon. Ah bah image, ah mais ouais. Ça c'est la version vraiment Macumba Club discothèque. Hein. Celle-ci. 99. Et bah c'est Béatrice qui part au Golden Tulip d'Excellent offert par Weekend Desk. Grâce à Daniel Pénac. Grâce à Daniel Pénac. Eh oui. Qui est resté silencieux. J'ai encore scié d'avoir répondu juste à tout. Oui. Vous allez partir avec la compile de tous ces titres. En tout cas, vous nous avez offert d'abord un bon moment, très agréable. C'est toujours très agréable de vous recevoir. Et puis, ce livre, Le Camalocène. Voilà, la saga Malocène de retour. Ils m'ont menti, c'est chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et de vous être prêté à nos facéties quotidiennes. Je ne dirai pas combien de tricheurs j'ai vu aujourd'hui. Et combien de temps je le garderai pour moi. Mais oui, mais ça fait partie du jeu. Et puis, ouais. On a très envie de faire. Savez, on fait gagner des auditeurs. Voilà. Nous, on ne gagne rien à part. À part vos rires et. Enfin, ça fait partie du jeu, vous êtes le seul à avoir les réponses quand même. Non, non, non. Et je vous rappelle si, que. Si, il est le seul à pouvoir. Vois... si, vous êtes le seul. Oui. Et bien, il a changé de lunettes. Voilà, demain, notre invité est Francis Weber. On va parler des animaux de compagnie. Eh oui, avec lui, il y a une pièce au théâtre. Merci de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.